Bonjour à tous et à toutes. Comme promis, je vais essayer de sortir le cylindre du moteur dont la bielle a explosé, que je vous ai fait voir. C'est le 850 cm3, hein, très rare. Alors voilà, je vais ouvrir mon air. Voilà. Doucement. Oh, mon air, mon gaz et mon air. Voilà. Logiquement, il faudrait 2-3 minutes là. Et après, je vais essayer de tapoter dessus pour faire descendre. Parce que là, il est coincé dedans, je ne sais pas ce qui gêne. Alors, ce que je fais là, je vais sortir la chemise directement. Voilà. Oh là là. Wow, on va pas en faire, hein. On va pas en faire. Ah voilà, si j'avais voulu le faire, je serais pas arrivé. Bon, et ben voilà, il est parfait. Comme vous pouvez voir, la chemise est sortie. Hein, la chemise est sortie. Parfait. J'étais surpris parce que je pensais pas. Vous voyez, 2 minutes. Hein, 2 minutes, il est sorti. Je pensais pas le voir sortir aussi vite. Hein, hein, voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne, là. Oh, c'est chaud. Regardez ce que ça donne. Bah, apparemment, le piston n'a pas l'air d'être escaté. De toute façon, comme je vous dis, ce que je fais, je vais récupérer, hein, je récupère le piston, hein, et je verrai la chemise aussi. Parce que la chemise, je peux vous dire que sur les moteurs S5 pour DynaX, première génération en DynaX de 1987, de 1980-1952. Oui, deuxième semestre 1952. Et Dyna Z1 et Junior du premier semestre 1954. Les moteurs sont très fragiles à l'intérieur. Et maintenant, ils deviennent vraiment des denrées rares. Hein. Alors, je peux vous dire que là, si, tant que je peux récupérer, par exemple, là, je vais récupérer le piston en espérant qu'il ne soit pas cassé. Hein, et je récupérerai cette chemise en espérant que l'intérieur dedans ne soit pas abîmé. Voilà, je vais vous faire voir dans une autre vidéo. Hein, la prochaine vidéo, je vais vous faire voir l'intérieur d'une chemise. Hein, voilà. L'indice thermique des bougies, c'est très très important le choix de l'indice thermique des bougies. C'est très très important. Voilà. Merci. À la prochaine vidéo.